reconnaîtrez-vous. Bonjour, 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 bonjour la famille. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous. Bon dimanche. J'ai prié pour vous, j'ai prié pour tout le monde. J'ai prié pour tout le monde. Ah, l'église vient de sortir. L'église vient de sortir. J'ai prié pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, s'il vous plaît. Bon dimanche à tout le monde. On n'est qu'à 10 personnes en ligne. Connectez-vous. Je vais voir au moins 30 personnes en live. Là, je commence. On essaie un peu de papouter quelques minutes. Connectez-vous, s'il vous plaît. Je sors comme ça de l'église. Je prie pour tout le monde. Connectez-vous. À 30 personnes connectées, je lance le live. Je lance le direct. On commence à papouter. À 30 personnes, connectez-vous. Connectez-vous. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Bon dimanche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, de mon côté, ça essaye d'aller de jour en jour. On se bat comme on peut. On se bat. On peut dire bien. On se bat comme on peut. Connectez-vous. Connectez-vous. Ah ben, arrête-moi ça comme ça. Viens te placer si tu m'arrêtes ça. Place-toi, tu arrêtes ses mains, hein. Tu me fumes. Je suis bien. Connectez-vous la famille. Je suis parti prier mon Dieu comme d'habitude. Le prier de me pardonner pour tous mes offenses, tous mes oreilles, tous mes crimes. Oui, je ne cesserai jamais de prier mon Dieu. Je ne cesserai jamais de prier mon Dieu. De me pardonner pour tous mes crimes que j'ai eu à commettre. J'ai eu à commettre, c'est commettre, c'est commis. Maudit, à l'offense élastique, hein. Chacun dit de son côté, c'est pas moi qui ai tué Molière. Connectez-vous. Et je vous conseille un chapeau, un gros pick-up comme ça à tous mes grands frères, tous mes grands soeurs, tous mes mamans, tous mes papas. Oui, dans le monde entier, que ce soit en Amérique, aux États-Unis, en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, au Cameroun, au Tchad, dans tout le monde entier, qui aimait Noël tel qu'il est avec ses défauts. Je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Merci. Merci. Connectez-vous. Un vrai homme, c'est celui qui connaît ses erreurs et qui demande pardon et qui continue à avancer. Mais, mon frère, ma soeur, personne ne détient ta vie entre tes mains. Personne. Tu es le maître de ton destin. Tu es le maître de ton destin. Connectez-vous. Connectez-vous. Je suis en direct, je suis en live. Connectez-vous. On va papouter. On va papouter. Ce n'est pas parce que tu dors peut-être dans la rue que tu vas oublier tout. Non, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est pour l'église, c'est pour Dieu. Le dimanche, c'est pour Dieu. Connectez-vous. Je dis merci à vous qui m'aimez sincèrement. Merci à vous qui m'aimez avec mes défauts. Merci. 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 Je suis en ville, hein? Je suis en ville. iPhone. Connectez-vous la famille. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Celui qui se passe toujours pour Jésus-Christ, qui vous parle toujours que du bien, qui vous montre que du bien, il faut avoir peur de cette personne. Et nous sommes faits de chair, nous sommes tous des pécheurs.
tous les pécheurs. Et on essaie seulement de se réintégrer et faire ce qui est bon. Connectez-vous, la famille. Connectez-vous. Non, je suis là, ma mère, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Courage, mon petit. Merci beaucoup. Merci pour le soutien, merci. Au moins vous. Merci d'aimer l'homme tel qu'il est avec ses défauts, ses qualités. Merci à vous. Merci à tous mes restes, tous mes grands frères, tous mes grands soeurs depuis l'autre côté. Merci à vous. On n'est qu'à 20 personnes en ligne. Hein. S'il vous plaît, vous m'envoyez même 40 personnes. Connectez-vous, s'il vous plaît. C'est Noël. C'est Noël. Je reste ce que je suis. Personne ne peut me changer. Personne ne peut me changer. Connectez-vous. Et passez un très bon dimanche dans la paix du Christ. Connectez-vous. Et voir qu'il y a un peu de bruit. Je vais un peu m'éloigner. Je me place là où il n'y a pas de bruit. Beaucoup de courage, champion. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est le dimanche. C'est le dimanche, même si on n'a rien. Quand on va aller s'asseoir au tarot ou bien prendre un bon jus. Mais on peut aller s'asseoir quand même à l'église. Oui, pour dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. À l'église, on ne paye pas l'entrée. On ne paye pas l'entrée. On ne paye pas l'entrée. Connectez-vous. Mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur, la famille. C'est la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme. La vie est faite ainsi, de haut et de bas. Oui. Un vrai homme, c'est celui qui tombe et se relève. Dans la vie, il faut apprendre. Même si tu tombes, tu te relèves. Même si c'est 10 fois, tu tombes et tu te relèves. Connectez-vous, la famille. Merci beaucoup, ma famille. Merci à vous qui m'aimez sincèrement. Merci à vous qui me soutenez, qui m'aimez tel que je suis. Mon petit, ça dit quoi? Je suis là. Je suis là. Merci à tout le monde. Merci à mes ennemis, mes amis, mes détracteurs. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. On dit dans la vie, ne jugez point. Vous n'êtes pas être jugé. Ne jugez jamais l'homme. Il ne faut jamais juger un homme. Ne jugez jamais l'homme. L'homme est fait de chair. L'homme est fait de chair. L'homme est fait de chair. Si combien de fois le fils de l'homme, on lui est tabassé, bastonné, minoté, cloué sur la croix. Vous croyez que la façon que on lui est tabassé là, c'est pour ça qu'il est quitté sur la terre. Il est quitté sur la terre. Il est parti trouver son papa. Parce qu'il a constaté que les hommes sont méchants, mauvais. Oui, les hommes sont méchants. Méchants et mauvais. C'est la vie. Vivons seulement, sauf Dieu seul pourra nous juger. Et celui-là, il sort comme ça de l'église. Il sort comme ça de l'église. C'est quand même un dimanche. J'ai dit qu'il va lancer un petit direct pour vous saluer et vous passer un bon dimanche. J'ai prié pour tout le monde, hein. J'ai prié pour tout le monde, pour tous mes ennemis, pour tous mes amis, pour tous mes détracteurs. J'ai prié pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut à toi. J'espère que tu te portes bien. Je suis là. Je suis là, je me bats comme je peux. C'est vrai, la santé me menace, mais je me bats comme je peux. J'ai quoi? Je n'ai rien. Je n'ai rien, mais au moins j'ai la liberté, j'ai le souffle de vie. Oui. Moi, je ne vis pas, je suis seulement. Je ne vis pas, je suis seulement. Je suis seulement. C'est pas parce que je suis peut-être un enfant qui dort peut-être ou bien dans la rue que... Non. Et quand quelqu'un me croise en route, s'il ne me connaît pas, on le dit que voilà un enfant qui n'a pas de toit, qui dort dans la rue, il va mettre sa main au feu, que non, c'est le mensonge. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Connectez-vous. Merci et bon dimanche à toi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ça va aller. C'est Dieu seul qui a le dernier mot, la famille. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Père, je suis à l'aise, je suis tranquille. Malgré ce que je travaille, je suis tranquille. Parce que quand je me rappelle, peut-être ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Quand je me rappelle, quand je travaillais, peut-être mes 3 ans de prison. Je me rappelle un peu ce que j'ai vécu en Ngata. Ce que j'ai vécu en prison, Père. Qu'il n'y avait personne même pour me donner 25. Donc quand un visiteur venait te donner 25 comme ça, mère, tu le remerciais. Merde. Mais je suis en liberté. Même si je n'ai rien, au moins je suis en liberté. L'air me tape, je vois les gens. La famille n'a jamais tué quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais de la vie. La famille n'a jamais tué quelqu'un. La famille n'a jamais tué quelqu'un. Et on est ce qu'on est. Hein? Je suis chanteur, c'est Papa God, dernier mot. Sauf Papa God a le dernier mot. Sauf Papa God a le dernier mot. Sauf Papa God. Sauf Papa God. C'est que Dieu m'a montré dans ma vie, qui a fait jusqu'à me montrer que j'ai vu en face. J'ai compris que c'est. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Dieu veille sur moi. Parce qu'il m'a montré ça de toute façon. De toute façon. Elle dit que quand on m'avait condamné 3 ans de prison, je te jure, moi je m'attendais au moins, je savais que ma vie devait être foutue. Donc je m'attendais que si c'est minimum, on devait me donner au moins 7 ans. On devait me donner au moins 7 ans. Mais à la barre, comme Dieu a touché le cœur des magistrats, tout ça, le ministère public qui plaidait pour moi parce que je n'avais pas d'avocat. Je n'avais pas d'avocat. Je suis qui? J'ai quoi payer un avocat? Mais c'est le ministère public qui plaidait pour moi. Mais Dieu a touché le cœur du ministère public. Comme ça qu'on a dit que l'enfant, si c'était un égétine défend, il se défendait seulement. Il se défendait seulement. J'ai toujours à parler de cette histoire. Mettez le cœur. Comment t'as fait un dépôt? Comment t'es fait un dépôt? Mais faire le dépôt, ça me fait plaisir. C'est quoi? J'ignore Bena. Bon, enfin, me faire le dépôt, c'est mon numéro aussi là. Je n'ai qu'un seul numéro, MTM. C'est mon mobile money. Et c'est mon WhatsApp, le numéro aussi. Le 654-55-67-76. Le 654-55-67-76. Le nom qui s'affiche, c'est Raoul. Raoul Ndjifak. Raoul Ndjifak. Comme depuis, je n'ai pas la carte d'identité parce que j'avais perdu mon acte. Donc, je suis toujours en constant. Je pars toujours quand on va m'appeler pour que l'acte sorte, pour que je fasse ma carte d'identité. Mais entre-temps, j'avais créé mon compte Mobile Money avec la carte d'identité de quelqu'un. Oui, le numéro, c'est là. Oui, 654-55-67-76. Oui, c'est mon numéro. C'est ça. Le nom qui s'affiche, c'est Raoul Ndjifak. Raoul Ndjifak. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plus beau homme ne peut que donner ce qu'il a. La plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Merci à vous qui m'aimez sincèrement. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Moi, je vis de la talakou. Avoir la mendicité pour survivre. Mais au moins, je ne vole plus. Je ne puis pas le coup de quelqu'un avant de prendre. Voilà. D'accord. Donc, comme je vous parlais, comme je vous expliquais que le tribunal, je m'attendais que le tribunal devait me donner même un 7 ans. Mais comme il y a Dieu dedans, Dieu veille sur les enfants qui n'ont personne, qui sont tout seuls. Dieu veille sur les enfants comme nous, il nous protège jour et nuit. Je savais qu'on devait me donner au moins 7 ans parce que j'ai toujours expliqué le problème. Bon, ceux qui ne connaissent pas, je vais encore expliquer ça dans ma page ici. On était à Aqua. On était à Aqua. Une soirée, c'était chaud sur nous, on n'avait rien. Nous étions 3 avec 2 de mes amis de la rue. On est parti devant Zepol. En soirée, même vers 21h, garer les voitures pour voir si on peut avoir quelque chose. C'était chaud. Et on avait faim. C'est comme ça qu'on allait garer un tété. Bon, chez nous, on les appelle tété. Les gens qui ont les grosses voitures, qui ont un peu les moyens, nous, on les appelle, nous, les enfants de la rue, nous, on les appelle les tétés. Oui, parce que ce n'est pas les Waman comme nous.
On a garé un beau Saint-Étienne avec sa femme. On a garé, ils sont sortis. On les a bien garés. Ils sont entrés dans la boulangerie, faire les achats. Quand ils finissent de faire les achats, ils viennent. On ouvre la malle arrière, met les choses. Il entre dans sa voiture avec sa femme. C'est comme ça qu'il vit demain pour partir. Il baisse les vides. Il sort 5 billets de 10 000, 50 000. Quand il tend, alors moi je suis derrière mes deux frères de la rue sont devant. On ne doit pas discuter, on sait qu'on est ensemble. C'est comme ça que je laisse celui qui est devant moi, il prend. Comme il prend l'argent 50 000, on dit merci au père là, merci boss, merci patron. Comme il part, je commence à jubiler. Comment tu ne changes pas de boulot petit? Comment je ne change pas de boulot? Boulot comment? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Changer de boulot comment? Changer de boulot. Si je reviens, si je suis dans la rue, c'est parce que en dehors de la rue c'est ma famille. Je dois aller où? Je dois aller où? Si j'avais un toit où je pouvais partir, où je pouvais dormir, c'est que je ne suis pas dans la rue. Si je suis dans la rue, c'est parce que je n'ai pas un toit. Oui, je n'ai pas un toit. Bon, je vais vous expliquer. Attendez, finis cette histoire. Je vais vous expliquer. C'est comme ça que le boss, il nous donne 50 000 par. Je commence à jubiler. Oh, merci Seigneur. On avait faim, on ne savait pas qu'on va manger le soir. Si tu nous as envoyé quelqu'un qui nous a donné 50 000. Bonjour, comment faire pour une envoi de 500? Même si c'est 100 francs, mon frère. Même si c'est 100 francs, c'est l'argent. Même si c'est 100 francs, c'est une moquerie. Tu te moques de moi. Même si c'est 25. Même si c'est 25, c'est l'argent. Tu parles ça. Tu parles comme si tu veux te moquer de moi. Il dit même si c'est 100 francs, c'est l'argent. Ça paye un bout de pain. Ça arrête l'estomac de quelqu'un. C'est l'argent, mon frère. Peut-être si tu parles ça, c'est même pour te moquer de moi. Tu ne connais même pas. C'est l'argent. 500, c'est beaucoup. 500 là. Ça peut te faire manger un bon plat en soirée pour dormir. C'est beaucoup, c'est l'argent. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Connais-tu qu'un enfant qui est dehors, qui n'a personne, père, même quand tu le donnes 100 francs, c'est beaucoup. Donc, comme je parlais, le boss là nous a donné l'argent, il est parti. Je commence à jubiler que, heureusement. Ah, où c'est 500 euros? Moi, je dis toujours la famille. Moi, que quelqu'un m'insulte ou bien me dit la vérité. Oh. Moi, je ne dis que ce que je vis ou bien. Je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Je ne dis que ce que je vis au quotidien. Donc, si quelqu'un se moque de moi ou bien. Je ne veux pas savoir. Ceux qui sont avec moi seront avec moi. Ceux qui ne sont pas avec moi, tu ne peux pas forcer quelqu'un. Oui. Mon frère, même si c'est un héros, même si c'est 25 que tu me donnes, c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup, au moins tu as la volonté, tu as l'estime, tu as sorti de ton propre chagrin, de tes poches, me donner. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas le faire. Si tu n'as pas la volonté, donc c'est de ton propre chagrin que tu me donnes. C'est de ton propre chagrin que tu me donnes. C'est de ton propre chagrin. Oui. On dit dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas. Le peu de gens qui t'aiment sincèrement du fond du cœur. Et tout le monde ne peut pas t'aimer. Donc j'ai dit ceci. C'est comme ça qu'il nous a donné les 50 000 pages. Je commence à jubiler. Merci Seigneur. Au moins, tu nous as envoyé quelqu'un pour nous donner quelque chose pour manger. C'est comme ça qu'il dit à les gars que père, parce qu'il connaît que dans la rue, quand l'argent tombe, on doit seulement se partager. Il dit que bon, les gars, partageons ça, donnez pour moi, je fiche le camp. Comme les deux, dans la rue, nous sommes tous ces enfants de la rue, mais entre nous, on ne marche pas ensemble, on ne fait pas les choses ensemble, on est tous ces enfants de la rue. Les deux, c'est les amis, ils font tout ensemble, c'est les amis. Bon, comme moi, je ne suis pas les frères. Eux causent le même patois. C'est les amis. C'est comme ça qu'elle me dit que ne commence pas à jubiler trop, père. Comment tu jubiles déjà trop comme ça? Elle a dit que mais jubiler comment? On nous a donné 50 000, c'est pour nous trois, non?
Le commandant a dit que ne jubile pas, toi, tu t'amuses, on ne te donne même rien. Il a dit qu'en banque, vous ne me donnez rien. L'argent qu'on a garé ensemble, on nous a donné de partager, vous ne me donnez rien. C'est comme ça, tu sais, les enfants de la rue aiment voir avant d'accepter. Oui, c'est comme ça que l'autre dit que hey, tu t'amuses même, tu vas respecter. Hein? Oh, je me dis que c'est les blagues. Je vois, il empoche l'argent. Je veux voir l'autre qui a l'argent, il court, il prend la bouteille, il casse, il vient vers moi, père. C'est la rue. La rue, c'est comme ça, père. Il faut être habitué. Je sais bien qu'il va me blesser, mais on va se confirmer. Parce que si je le laisse déjà peut-être de prendre le dessus sur moi, ça va devenir une habitude. Oui, je serai devenu le gibier à vie. Comme ça, il casse la bouteille, père. Je vais faire comment? Moi aussi, je cours, je prends pour moi. Je prends pour moi. C'est comme ça qu'il fait, comme il envoie sa bouteille là, comme j'esquive, je le mets ma part à la gorge. Comme je le mets ma part à la gorge, il tombe. Comme il tombe là, son frère là, mon frère de la rue, son frère qui était avec lui, comme il voit qu'il est tombé, comme s'il voit que hey, ça a cuit, il fuit. Il fuit, il le laisse. C'est comme ça que je viens maintenant sur lui, j'envoie que ma main, je prends les 50 000 qui est dans sa poche. Je m'en vais moi à l'ancien troisième en ville là-bas. Le temps là, je fumais encore la drogue. Je m'en vais moi fumer. Je dors là-bas, je ne connais pas que la police me cherche. La police me cherche. Je vous dis, la famille, si ce n'était pas Dieu, la prison là, je faisais au moins 7 ans. 7 ans, mais comme il y a Dieu dans tout, Dieu garde ses enfants. Dieu garde ses enfants. On m'a donné 36 mois de prison. 3 ans de prison. On m'a donné 3 ans. Avec l'amende de 160 quelque chose de 1000. J'ai travaillé les 3 ans. L'amende là, vous savez, Dieu a envoyé toujours quelqu'un à payer l'amende. Vous savez qui a payé l'amende là? Vous savez qui a payé l'amende? Nous, c'est un petit photo. Vous savez qui a payé l'amende là? C'était un Guinéfa. L'ancien du pardon, Gamo Amani, l'ancien directeur du chantier naval, qui était en prison pour détournement. Parce que tous les dimanches, il venait à l'église. En prison, il me voyait, je venais toujours à l'église. Quand ma prison voulait y avoir fini, je suis parti devant lui. Petit Toto, ne parle pas de Dieu. Petit Toto, ne parle pas de Dieu. Je sors de l'église, je vais me respecter. Je vais me respecter, je vais contrôler mes propos. Je vais contrôler mes propos. Je ne vais pas te répondre. Je vais contrôler mes propos. Je vais contrôler mes propos. C'est comme ça que le vieux, là, quand il venait à l'église, il me voyait toujours tous les jours. Comme ça que je suis parti devant lui. Il lui a dit, papa, s'il vous plaît, comme vous voyez là, on m'a condamné comme ça et je n'ai personne. Je dors que dans la cour et bientôt ma prison va finir. J'ai une amende de 160 quelque chose de 1000 à payer. C'est là qu'il me dit que je vois son garde-corps. Je donne tous mes coordonnées à son garde-corps. C'est comme ça qu'il donnait mes coordonnées à son garde-corps. Je suis là, je ne connais même pas. Je suis toujours tenté de travailler. Vous connaissez ce que l'homme a traversé là-bas? Vous ne connaissez pas. Oui, vous ne connaissez pas ce que l'homme a traversé. Mais même jusqu'à là, l'homme est resté debout. L'homme n'est pas tombé. L'homme n'est pas cédé au pépette. L'homme n'a pas cédé au pépette. Oui, quand il venait avec les machins là, si c'est les blessures, les poignets, on se poignardait. L'homme n'accepte pas les pépettes. J'ai travaillé ça, je suis sorti. Je suis sorti, sain et sauf. Sans être dans les sas, j'ai accepté la misère, la galère. J'ai choqué ça jour pour jour. Jour pour jour, pas de visite. Je mangeais le conchab, la ration de la prison. Je mangeais ça jour pour jour. Pourtant, il y a mes frères, mes grands frères qui sont dehors, les grands frères. Mais quand ils entrent, ils sont obligés d'aller donner leur lasse. Pour qu'on fonde pour les mettre à l'aise. Oui, parce qu'il y a les gens qui ont attaqué. Ils ont les longues peines de prison, mais ils ont tout. Ils ont tout, ils ont les millions. Mais quand il faut au moins les années, il n'a pas vu les fesses de la femme. Mais quand il voit toi un nouveau que tu entres, il dit que mais voilà la chair fraîche. Voilà la chair fraîche. Il commence à tout te donner, il te donne même la place que mon petit dort ici là. Il te donne tout. Il ne te force pas. Toi-même, tu le donnes tes fesses de ton propre chagrin. Parce qu'il te donne tout. Il te donne tout. Il te nourrit. Il te donne la place de dormir. Mais les gens comme nous, on a dit que non.
bête, on choque le roi là. On choque ça. Si c'est la pluie, on dort dans la pluie. Si c'est le mgué, mais le maïs, le conch absorbe la ration de la prison, même avec les cafards dedans, on court pour prendre pour nous. Parce qu'on sait qu'on compte que sur ça. Si je ne prends pas ça, je compte sur qui? Je compte sur qui? Les poux partout, les poux, j'ai accepté ça, mais pour rester avec ma dignité, mon charisme, j'ai travaillé ça et je suis sorti. Aujourd'hui, je suis dehors. Donc ce n'est pas en liberté que je vais me plaindre. Si je suis en liberté, peu importe ce que je vis, que je suis en liberté, que je suis libre de partir là où je veux, mais mon frère, c'est une grâce. Je rends grâce à Dieu. On ne fait pas le Mboko à Sandaga, tu te souviens? On ne faisait pas le Mboko à Sandaga, tu te souviens? Oui, on faisait le Mboko, je ne connais pas qui tu es. Heureusement que tu connais que ce que je dis, c'est la vérité. On faisait le Mboko ensemble, je te connais pas. Peut-être si je te vois en face, je vais te connaître, je ne te connais pas. Mais tu connais au moins l'homme qui est en train de parler, tu connais au moins que celui qui est en train de parler, c'est un garçon. Toi-même, tu connais. Tu connais que celui qui est en train de parler, c'est un garçon. Toi-même, tu connais que je ne suis pas une chiliette. Tu connais, si tu dis bien que tu me connais comme tu le dis, tu sais bien que voilà, garçon qui est en train de parler, tu connais. Et si je suis en train de parler pour faire plaisir à quelqu'un, si tu me connais comme tu le dis, tu sais bien que c'est garçon qui est en train de parler. J'espère que ton combi qui a poignardé la veille. J'espère que ton combi qui a poignardé la veille aujourd'hui. Non, mon frère, heureusement. Elle dit que heureusement, s'il mourait, père, c'est que moi, c'est que je suis peut-être toujours en gata. Mais heureusement qu'il n'est pas mort. Il a fait peut-être même combien de mois dans le coma. C'était ici. Mais il est aujourd'hui, il a envie. On se voit, on est devenus les bad combi, les bad amis. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il a envie. S'il mourait, c'est que moi, je suis toujours. Donc, il n'est pas mort. Bon, c'était juste pour dire, c'est le monde du dehors. C'est le monde du dehors. Là, où nous sommes dans la rue. Tout est possible. À toute heure, ça peut arriver. Tu n'as même pas besoin de chercher. Donc tu restes même, ça vient te trouver. Si tu peux fort attendre à... Si tu es ici. Ah, fais attention à moi, petit Fali. Petit Fali, je fais toujours attention à moi, mais tu ne peux pas empêcher ce qui va arriver. Oui, tu ne peux pas empêcher ce qui va arriver. Dans la vie, ce qui va t'arriver, tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux pas empêcher. Nous marchons là, on monte, on descend. Tout est tracé. Ce qui va t'arriver. C'est déjà tracé que telle chose doit t'arriver. Tu ne peux pas esquiver ce qui doit t'arriver. Même si tu es couché chez toi, ne fume pas l'eau. Mon frère, ne fume pas l'eau. Je ne comprends pas. Est-ce que tu devrais faire un direct accompagné de ton partenaire, mon frère, pour nous assurer de la paix. Voilà, merci beaucoup, grand. Si tu me demandes pourquoi j'avais fait ça, il faut que je t'explique. C'était eux les... Oui, la famille, excusez-moi. Je suis en direct, eux m'appellent, je suis en direct. Mon petit, tu n'es pas sérieux. J'ai vraiment déçu. Tu as voulu couper ma femme. Ouais, papa. En tout cas, il va falloir que je reste même tranquille. Parce que j'ai dit que je ne suis plus sur ça. Ça ne sert à rien de me justifier devant les hommes. Ça ne sert à rien de me justifier devant les hommes. Oui, de me justifier. Je ne veux plus. Je ne suis plus sur ce sujet. Je suis passé à autre chose. Maintenant, c'est une nouvelle ère. Je suis passé à autre chose, s'il vous plaît. Pour ne pas vous manquer du respect. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas entamer ce débat. Je ne veux pas. Oui, il y a l'un de mes frères là qui a demandé que pourquoi je l'ai poignardé. Ce sont eux les premiers, parce que vous voulez empocher les 50 000 qu'on nous a donné pour nous trois, ce sont eux les premiers à courir, à aller casser la bouteille. Si je tournais le dos, on ne donne jamais le dos à l'adversaire, ne donne jamais ton dos à l'adversaire. Même s'il vient avec quoi, laisse-le venir avec. Tu encaisses ça, même si c'est ton bras, tu sacrifies, même s'il faut qu'il coupe ça. Mais c'est que tu vas le donner en retour, lui-même va confirmer. Je devais faire comment? Je ne pouvais pas fuir, je ne pouvais pas tourner mon dos à l'adversaire. Non,
Je ne pouvais pas. J'étais obligé seulement de ramasser pour moi aussi. Je devais faire comment? J'étais obligé de ramasser pour moi aussi. Il est venu. Il a envoyé sa part, ça m'a raté. Ma part ne lui est pas ratée. Il lui a donné ça une fois. Bon, vous ne pouvez pas me comprendre. Vous ne pouvez même pas me comprendre. Sauf ceux qui ont vécu le monde là, qui peuvent comprendre ce que je parle. Ce n'est pas du film que je vous raconte. C'est du réel, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe là où nous sommes. C'est ce qui se passe. Heureusement, il n'est pas mal. Même jusqu'aujourd'hui, on est les bad combi. On est les tatat. On est les bad amis. On est les bad amis. C'est la vie du dehors. Le monde du dehors, c'est comme ça. Le monde... C'est seulement lui que tu connais que j'avais fait ça. C'est seulement lui. Et s'il est le seul. Quand il est cancan Jean. Ah, il est cancan cicatrice sur moi. C'est comme ça. Quand on me donne moi aussi, je confirme. En prison, c'était grave alors. Parce qu'en prison, si tu ne te défends pas, on va te manger. Oui, les gros poissons mangent les petits poissons. Donc il faut montrer de quoi tu es capable. Oui, ce n'est pas la bouche, on ne parle pas avec la bouche. Il faut montrer de quoi tu es capable. Pour qu'on te donne ta petite place, que tu as même ton pain comme ça, tu manges tranquillement sans que quelqu'un ne prenne. Il faut montrer de quoi tu es capable. Oui. Même s'ils vont te blesser, mais que même s'ils sont cinq, qu'avant de te confirmer, que tu as aussi touché même deux. Là, quand il reste comme ça, il touche une cicatrice sur lui, il dit que oui, c'est mon petit là qui m'avait mis ça. Vous devenez les bons amis. Là, même quand tu as le diamant, il ne passe pas à côté de toi. C'est le monde du dehors, c'est la vie du dehors. C'est la vie du dehors, c'est comme ça. C'est comme ça le dehors là où nous sommes. C'est comme ça tous les jours que Dieu a créé, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand une journée finit sans que tu n'as eu les problèmes avec quelqu'un, que vous n'avez versé le sang, remercie le Seigneur. Parce qu'une journée ne passe pas sans que les gars ne se confirment entre eux. C'est comme ça le monde du dehors. Même juste peut-être même pour 500 ou pour 1000 francs. Peut-être que quelqu'un vous donne que partagez-vous. Celui que ça a touché sa main, il veut toujours amener le gros cœur. Oui, que c'est à moi qu'on a donné, je ne te donne rien. Si tu es faible d'esprit, tu laisses tomber, tu le laisses partir avec. Et quand tu le laisses partir avec, tu vas devenir son gibier, son mougou à vie. Là, c'est en prison. En tout cas, si tu peux, tu viens m'arrêter, non? Ma place est en prison. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci beaucoup. Mais n'oublie jamais que tout ce que tu parlais sur l'homme, ce que tu souhaites que ça arrive à quelqu'un, ça va retourner que sur toi. Si tu peux, tu viens m'arrêter, non? Je ne sais pas qui tu es. Peu importe ce que tu es, même si tu as tes millions. Oui, je vous respecte trop. Je ne veux pas vous parler un genre. Je vous respecte trop. Je vous respecte beaucoup même. Je vous respecte beaucoup. Je vous respecte beaucoup. Je ne sais pas qui tu es. Peu importe ce que tu es. Même si avec tes millions, tes poids que tu as, c'est pour toi. Si tu peux, viens m'arrêter, non? Viens m'arrêter. Je te donne ma position. Je suis à quoi? Viens m'arrêter. Maintenant là même, si tu peux venir, je suis à Paris dans-ci. Viens m'arrêter. Si tu peux, peu importe ce que celui que tu es, peu importe ce que tu as, c'est pour toi là-bas. Je ne te dois pas. Je ne te dois pas. Si tu peux, viens m'arrêter, tu m'envoies là-bas, non? Tu m'envoies là-bas. Tu m'envoies là-bas. Je te respecte beaucoup. Je te respecte beaucoup. Vous savez pourquoi moi je ne vous bloque même pas, vous qui envoyez les messages. Je ne vous bloque même pas parce que je veux que vous soyez dans mes directs. Je veux que vous soyez dans mes directs. Mais la patience a des limites. Quand vous allez exagérer, que de mal vous parlez, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. Donc pour l'instant encore, je me retire encore. J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous. Si vous ne voulez pas m'écouter, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez passer à autre chose. Oui, si vous voulez dire du n'importe quoi de moi, vous pouvez dire n'importe quoi.
Mais si vous exagérez, je vais vous bloquer. Je vous bloque dans mes directs, je vous bloque. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai encore des respects pour vous. S'il vous plaît, respectez-vous aussi. Respectez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Mandy. Merci beaucoup, ma mère. Merci. Merci beaucoup. Le peu de gens qui m'aiment, qui m'écoutent sincèrement, qui suivent le message que je passe, ça me suffit. Même ces deux, trois personnes, ça me suffit. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Oui, je vis de la mendicité, parfois la talakou. Je n'ai pas honte de ça. Au moins, je ne force pas, je n'appuie pas le cou de quelqu'un avant qu'il me donne. Celui qui veut me donner, c'est de son propre chagrin. Mon frère, respectez-vous. Respectez-vous. Je crois que le respect est mutuel. Le respect est mutuel. J'ai fait mon direct. Je ne suis pas tenté de parler de quelqu'un ou bien de parler mal de quelqu'un. Respectez-vous. Et si vous voulez me manquer du respect à la personne que je suis, vous voulez profiter de ma situation pour me dire du n'importe quoi. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne veux même pas savoir. Je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. Ça ne me coûte rien. Je vous bloque. Vous ne serez plus jamais dans mon live. Mais si je vous laisse encore, c'est parce que j'ai du respect pour vous. Respectez-vous, s'il vous plaît. Respectez-vous. Peu importe si je suis un fou, si je suis n'importe quoi, respectez-moi. Je vous demande juste pardon. Respectez-moi. Si tu veux, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu veux rester dans mon live, respecte au moins la personne, peu importe ce que je suis. Respecte-moi. Ou si tu ne veux pas rester dans mon live, passe à autre chose, s'il te plaît. Non, il faut changer à faire quelque chose. Passez à autre chose, s'il vous plaît. Je vous demande encore. Fortune, maman Fortune, je suis passé à autre chose, je vous en prie. Je ne suis pas un enfant ingrat ou hypocrite. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre, que je vais le faire pourtant. Je vous ai dit qu'il n'y a jamais rien que je vais demander excuse. Je dis qu'il n'y a jamais rien. Jamais rien. Jusqu'à mon dernier souffle, il n'y a jamais rien que je vais demander excuse. C'est moi qui sais de quoi il s'agit. Je ne peux pas vendre mon âme au diable. Même si je n'ai rien, je reste tel que je suis. Je reste tel que je suis. Je ne suis pas un malchanceux. Je ne suis pas un enfant malchanceux. De toute ma vie, dans ma souffrance, je n'ai jamais accepté les pépettes. Je ne suis pas un enfant malchanceux. Je ne suis pas un malchanceux. Même si c'est toi, même si c'est toi, peu importe tes millions, même si tu me viens en aide, et après je constate que tu es dans les pépins, je vais te dire que tes vérités. Je vais te dire que tes vérités, je suis ce que je suis. Je ne suis pas dans les pépettes. Oui. Je ne suis pas dans les conneries. Je ne mange pas les caca. Il n'y a jamais d'excuses à demander. Je dis jamais. Jamais. Vous n'avez pas besoin de me croire. Moi, au moins Dieu seul pourra me juger. Lui seul sait de quoi je parle. Lui seul. Donc, pardon, respectez-vous. Respectez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande juste pardon. Je vous demande juste pardon. Si je ne viens pas répondre à vos commentaires. Non, tous ceux qui disent, quand ils vont exagérer, on dit la patience a des limites. Je vous laisse passer, j'ai besoin de vous dans mes directs, mais respectez-vous. Respectez-vous. Si vous êtes mieux que moi, vous êtes mieux que moi, que vous le dites. Que vous le dites, respectez-vous dans vos propos. Respectez-vous. Oui. J'espère que dans mes propos, je n'offense personne. Noël, ma panée, vous voulez que ton pied t'envie. Ma panne, pas de. Ça, on se connaît très bien. J'arrête quoi, mon frère? J'arrête quoi, les gars? Profite de ta faiblesse. J'arrête quoi? Je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous avez envie qu'on soit toujours ensemble, le peu de temps qui me reste à vivre dans ma misérable vie, quand je vais allumer ma caméra, peut-être pour faire un direct, si vous voulez peut-être m'écouter, voir Noël, si se porte bien ou pas, hein. S'il vous plaît, soyez poli pour rester dans mes directs. Soyez poli. Soyez poli, s'il vous plaît. Soyez poli. Je n'ai pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. Oui, celui qui va exagérer, je le bloque.
je le bloque. Même ces deux, trois personnes qui sont avec moi, qu'on se comprend. Oui, il ne faut pas avoir... Ce n'est pas de donner quelque chose à quelqu'un qui prouve que tu es avec lui. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Maintenant, je fais mon petit live pour dire bonjour, salut et bon dimanche à tout le monde. J'ai prié pour tout le monde. Arrêtez-moi de me parler qu'il faut, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande juste pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, la patience a des limites. Je vais vous bloquer. Beaucoup de courage, Noël. Ça va aller. C'est Dieu là. Succès. Force à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Dieu la force. Merci beaucoup. C'est là, comme toi que j'ai été par. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on dit un homme. L'homme ne connaît pas tout. On ne connaît jamais tout. Si j'allume ma caméra, c'est pour saluer et dialoguer avec vous, mes frères, mes soeurs, mes mamans. Oui, on ne connaît jamais tout. Je peux en profiter, en bénéficier de vos conseils. Mais si vous voyez qu'il n'y a aucun conseil, il n'y a rien à me donner. Hein? Rien comme conseil. Hein? Si vous ne voulez pas m'écouter, hein? Que de lancer toujours vos commentaires là. Oui, si je ne vous réponds pas, c'est parce que j'ai du respect pour vous. La patience a des limites. Je vais vous bloquer. Ça ne me coûte rien. C'est juste appuyer pas que je vous bloque. Vous ne serez plus jamais dans mes lives. S'il vous plaît, respectez-vous. Vous dites que vous êtes différent de moi. Respectez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Tu ne peux que dire qu'il y a des certaines choses injustes. Je sais. Qu'est-ce que la visibilité, c'est quoi? Je ne comprends pas. La visibilité pour faire quoi avec? La visibilité pour faire quoi, père? Je ne comprends pas la visibilité. Moi, si j'allume ma caméra comme ça, qu'il y a même deux, trois personnes qu'on papoute ensemble, ça me suffit. La visibilité pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Je ne comprends pas. La visibilité... Pardon, mon frère, pardon. Pardon. J'espère que vous allez bien, la famille. J'espère que vous allez bien. Avant d'être dans la rue que j'étais là, j'étais un bailleur. Moi-même, j'étais un bailleur. Mes parents sont décédés. Le chenou était à Bonaberry. À Bonaberry, en Kumba, qu'on a cassé au garage, oui, non. J'étais locataire. Chez nous, les gens mettaient, il y avait les bars, les boutiques, les salons de coiffure, les salons de couture. Nous, on avait un grand terrain. Même quand je voulais payer ça, mon feu papa avait dit que jamais. Un grand terrain, donc, il y avait toutes les activités, les restaurants, les bars, les salons de quoi chez nous. C'était moi le bailleur, je prenais l'argent au moins même de 15 personnes, des locataires, c'était moi. Jusqu'à que le gouvernement vienne casser. Jusqu'à que le gouvernement est venu casser le chez nous. Et là, je me suis lancé dans la rue. Oui, j'ai des tantes, des frères, des oncles. J'ai des tantes, des frères, des oncles. Mais je me suis lancé dans la rue depuis qu'on a cassé le chenou. Parce qu'on dit que hein, ce que ton père peut te faire, son frère ne peut pas te faire ça. Oui. Oui. Ce que ta mère peut te faire, même sa soeur ne peut pas te faire ça. Oui. Même sa mère ne peut pas te faire ça. Mais pourtant, la soeur de ta mère, en te faisant n'importe quoi, sans la dire rien, parce que tu n'es pas son enfant. Et imagine encore que dans une famille que tout le monde est pauvre. Tout le monde est pauvre. Elle va dire que père, si je parviens à payer ma petite banane de 200 que je malaxe, mes enfants sont là. Il faut d'abord privilégier, ou bien se privilégier, ou se privilégier, ou se privilégier mes enfants. Hein. Maudit, le français là, c'est la magie. Hein. Oui, donc c'est un peu ça. Donc moi, j'ai profité qu'elle vaut mieux. Hein. J'ai tombé que dehors. J'ai des tantes, des oncles, mais je peux me rencontrer même en route comme ça avec mon cousin ou ma cousine, je ne connais pas. Je ne connais pas parce que j'ai grandi que dehors. J'ai deux petites soeurs. J'ai deux petites soeurs, même père, même mère. Et j'ai deux grands frères, même père, pas même mère. J'ai deux grands frères, même père, pas même mère. La mère était la première femme. Ma mère était la deuxième femme. La mère était la première femme. Elle a fait deux garçons, mes deux grands frères. C'est là mon père épousait ma mère. Ma mère a fait trois enfants. Un garçon, deux filles. Je suis l'aîné. J'ai deux petites soeurs.
deux petites sœurs. Si je vous dis qu'est-ce que je ne sais pas d'où ils sont. Je ne sais pas d'où ils sont. Si je rencontre même peut-être mon cousin ou bien mon oncle là, je ne peux même pas connaître. Parce que j'ai grandi que dans la rue. Dans la rue. Dans la rue. Force à toi, frère. La fin justifie les moyens. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Ça va, petit? Tu vas en quoi? Les arachides de Chang. Les arachides de Chang, non? Chang. Et c'est Chang, mon petit. Où Chang? Et n'y j'ai là. Douzième. Mais là, où mon moraka? Moi, je suis de Bafou, non? En tant que chef, Bafou. Donc, tu aimes mon frère. Par une douzième Bafou, c'est peut-être 100 francs, non? Ouais, Tinga. Donc, mes vacances, c'est où on entend à Saka? Ouais, merci mon petit. Merci beaucoup. Petit frère, force à toi. Toujours, non? Peut-être tu te bats comme ça pour aider. Il y a le père, la mère, ils n'ont rien. Mais tu pourrais te débrouiller comme ça pour que l'école commence. Tu pourrais venir dire, maman, pas. Voilà, même 20 000 complétés pour payer mon école. C'est ça, non? Voilà. Donne-moi alors l'arachide. C'est combien? 100 francs. Donne-moi pour 200. Tu as le plastique noir? Oui, tu as le plastique noir. Bon, si tu as le plastique noir, donne-moi pour 300. Toi, c'est bien, hein, petit. Tu fais quelle classe? Beaucoup moins d'heures. Hein? Bien ça. Beaucoup de courage, hein? Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, mon petit. Tu as quel âge? Tu as 10 ans, hein? Moi-même, j'avais ton âge là. Quand j'ai commencé à choquer le dehors, à affronter le dehors. C'est vrai que toi et moi, la façon que j'ai affronté, c'était différent de ta part. Tu comprends, non? Le travail qui paye, il faut travailler. Il faut travailler, petit. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Là. Merci beaucoup, petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va aller. Hein? Parle, les abonnés te suivent, parle. Tu dis? Non, je n'ai pas un joie. Alors, ici. Alors, ici. Si tu fais comme ça, petit frère, que l'école commence, tu dis, maman, voilà 20 000 complétés pour payer mes cahiers, c'est beaucoup, tu comprends, non? Voilà. Et te donne une heure de temps. Il est 13h40. Donc, avant 14h30, je te donne quelques minutes, ça va finir, tu rentres à la maison, tu y as, non? C'est pour 300, hein? Ah, 500. Non, ça va, ça va. Les 200 là, garde ça, petit frère. Garde ça. Oui, nous sommes tous les Waman, tu y as, non? Moi, c'est ma part de façon de t'encourager aussi, tu y as, non? Ouais. Le plus beau homme ne peut que donner ce qu'il a. Moi-même, je mendie seulement, je demande aussi pour survivre, tu y as, non? Donc, quand il y a un franc, c'est l'union. Bon marché, hein? Bon marché à toi. Sois prudent, hein? Merci. Voilà la famille, passez un bon dimanche. Passez un bon dimanche dans la paix du Christ. Passez un bon dimanche. Que le Seigneur veille sur vous abondamment. Que le Seigneur veille sur vous. S'il vous plaît, la famille, je vous demande encore pardon. Prouvez-moi que vous n'êtes pas de la même race que moi. Soyez polis. Soyez polis, s'il vous plaît. Soyez polis. Soyez polis. Soyez polis. J'espère que je me retiens au moins. Je me retiens seulement pour ne pas répondre à vos commentaires que vous m'envoyez. Je me retiens parce que j'ai du respect pour vous. Soyez polis, s'il vous plaît. Ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien. Je peux vous retirer dans mon live. Je peux vous retirer, mais je veux que vous soyez là. Soyez au moins polis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande juste pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nul n'est parfait.
Non, est-ce que j'ai des problèmes? Je n'ai pas de problème. Comme vous avez demandé que c'est même quoi mon problème. Je n'ai pas de problème, mon frère. Je n'ai pas de problème. Il y a qui n'a pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Mais chacun essaie de retenir, de barrer comme il peut. Est-ce que tu as vu, je suis tenté de me plaindre de quelqu'un ou bien de quoi? Non, je ne me plains pas. Si j'ai allumé ma caméra, c'est juste pour vous souhaiter passer un bon dimanche. C'est pour vous passer un bon dimanche. Je ne me plains pas de quelqu'un. S'il vous plaît, restez poli. Restons polis. Restons polis, s'il vous plaît. Je vous demande juste pardon. Restons polis. Restons polis. Parce que la patience a des limites. Quand ça serait exagéré, je vais juste appuyer, je vous bloque, vous quitter dans mes lives. Oui. Même si c'est deux, trois personnes qui me suivent, hein, qui m'aiment sincèrement du fond du cœur, qui me suivent, hein, ça me suffit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande juste pardon, la famille. S'il vous plaît. Je vous demande pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous êtes vraiment des personnes responsables, responsable, instruit, comme vous dites toujours. S'il vous plaît, restez poli. S'il vous plaît. S'il vous plaît. De rien, de rien. De rien. De rien. Merci beaucoup. Merci. Le plus beau homme ne peut que donner ce qu'il a. Peu importe, hein, celui qui va venir peut-être dire que Noël, il y a une vidéo qui a dit Noël, je vais t'envoyer 500. Tu ne peux pas te moquer de l'homme. Celui qui est sincère avec moi, même Dieu seul serait sincère avec lui. Oui. Je vis de la mendicité, parfois la talakou. Je vis que de ça. Je n'ai pas honte de dire ce que je vis. Je vis que de ça. La mendicité, parfois la talakou. Donc, celui qui va me donner même ses 5 francs que Noël, voilà 500, voilà, je prends avec deux mains, deux pieds, c'est beaucoup, ça va m'aider toujours. Ça va m'aider, père. Ça va m'aider. Vous croyez que j'ai besoin d'impressionner quelqu'un? Si quelqu'un te donne ses 5 francs, c'est parce qu'il a la volonté, il a de l'estime, de l'amour pour toi. Oui, de l'amour. Mon numéro, un témoignage, c'est le 654 55 67 76. 654 55 67 76. C'est Raoul Ndjifak qui s'affiche. Ouais. Sois ce que tu es dans la vie. Ne te cache. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Se moquer bien, se moque de moi. Tu peux te moquer d'un homme. Tu ne connais pas ton lendemain. Ne te moque jamais de ton prochain, mon frère. Ne te moque jamais de ton prochain. Jamais de la vie. Ne te moque jamais de... Parce que la vie ici est faite de haut et de bas. Oui, la vie est faite de haut et de bas. Personne ne connaît son lendemain. Ne juge jamais quelqu'un. Ne juge jamais. Aujourd'hui, tu es au sommet. Tu es au sommet aujourd'hui. Mais tu ne sais pas que demain, tu peux devenir zéro. Zéro. La vie ici est faite ainsi. Oui. Et le plus beau homme ne peut que donner ce qu'il a. Oui, le plus beau homme ne peut que donner ce qu'il a. Si quelqu'un te tend la main, te fait du bien, qu'au fond de son cœur, il te fait ça sincèrement, il n'y a pas quelque chose en retournant, sinon, même Dieu va le bénir. Mais si tu me donnes même les milliards, je vais prendre, les prendre. Mais jusqu'à ce que tu vas me montrer le vrai côté, jusqu'à ce que tu vas voir que j'ai pris goût, mais dis ce que tu attends de moi. Si ça ne me plaît pas, je suis obligé de te taper sec que je ne suis pas avec toi. Je suis obligé de te taper sec. Que je ne suis pas avec toi. Père, on ne vit pas le même monde. Hein? On ne vit pas le même monde. Oui, vous et moi, c'est deux mondes différents, s'il vous plaît. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes. L'apparence est très trompeuse. C'est deux mondes différents, vous et moi. S'il vous plaît. Je vous demande juste pardon pour l'amour du ciel, s'il vous plaît.
respectez-vous, comportez-vous. Je vous demande pardon. S'il vous plaît. Comportez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ceux qui disent n'importe quoi, là, comportez-vous, ça fait presque ma fanfare. Peut se moquer de l'homme. Ne te moque jamais de la créature. Ne te moque jamais d'une créature. Ne te moque jamais. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu as le miel dans la bouche, bien tu es. Ne te moque jamais, mon frère. Oui, ne te moque jamais de quelqu'un. Ne te moque jamais. 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 Vous connaissez mon numéro. J'ai appelé mon numéro. Vous connaissez mon numéro. Celui qui veut m'appeler pour qu'on cause, même si c'est les conseils, que ça soit n'importe quel, c'est les conseils, il n'a qu'à me dire. S'il a quelque chose à me dire, qui sait que ça peut m'apporter un plus, il n'a qu'à m'appeler. Il n'a qu'à m'appeler. Le numéro que j'ai appelé là, oui, c'est mon seul numéro MTN, il n'a qu'à m'appeler. C'est le 654-55-67-76. C'est mon numéro, il n'a qu'à m'appeler. Et personne n'est impressionné, père. Et je marche avec mon cercueil sur ma tête tous les jours. Je marche avec ça tous les jours, parce que je sais qu'à tout moment, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais au moins, je sais que le ciel m'a pardonné. Aujourd'hui, là même, ça arrive. Je pars en beauté. Oui, je pars en beauté. Je pars en beauté. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que c'est celui-là, le criminel, que vous lancez les pieds là, que vous verrez à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant au ciel là. Ne soyez pas surpris que peut-être vous n'aurez même pas l'occasion de franchir la porte. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Je vous dis la vérité. Je ne vous manque pas. Je vous dis la vérité. Si les gens comme moi, si je n'étais pas un enfant que Dieu veillait sur moi, ah, dis donc, c'est que je ne suis pas là où je suis. Je ne suis pas là où je suis. Dieu m'a pardonné mes péchés. Dieu m'a pardonné mes crimes. Il dit, il n'y a rien qui pourra me dérouter encore. Il dit, rien, rien. Si c'est rien que les propos attaquatoires que vous avez, c'est petit. C'est petit. Moi, je choque ça en live comme ça avec eux. Je choque ça en live. Mais si vous restez que dans votre téléphone pour m'envoyer les mots, ah, c'est petit, père. Celui qui est fâché, il descend au front. Oui, il descend. Il m'appelle, je viens. Oui, s'il a envie de faire quelque chose, hein, je vois de quoi il est capable. Oui. Et restez pas derrière votre téléphone, vous parlez, vous dites du n'importe quoi, père. Je choque au front. Je marche avec mon cercueil sur la tête tous les jours. Je marche avec mon cercueil. Même si vous êtes cinq que vous sortez devant moi. Oui. Avant de me faire n'importe quoi, je suis sûr que je pars au moins ça avec deux. Moi, je suis sûr de moi, je pars au moins ça avec deux. Deux. Je ne me jette pas les fleurs. Je ne me jette pas les fleurs. Donc, comme je marche là, je suis préparé psychologiquement, mentalement. Bah, c'est qu'à tout moment, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, même si vous sortez devant moi, même si vous êtes cinq, même si vous êtes combien, je te jure, je pars au moins ça avec deux. Oui. Parlez ça à qui? Parlez à un enfant qui voit tous les jours, père. Parlez à un enfant qui parle. Wow, c'est les gros yeux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si tu peux fabriquer les yeux d'un être humain, va fabriquer ta part. Merci du fond du cœur. Ce qui est bon, dans votre profil, il n'y a jamais de photos. Il n'y a jamais de photos. Vous vous restez toujours, vous masquez vos profils, vous envoyez n'importe quoi. Si c'est rien qu'au téléphone que tu parles comme ça, si c'est rien que. Il n'y a pas de PB. Si c'est rien qu'au téléphone que tu restes, tu dis du n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu parles seulement comme ça et que non, on a dit touch me. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'il faut mettre horreur ou dame ou touch me. C'est là où ça tourne au vinaigre, non? Que tu sois même Goliath. Que tu sois Goliath.
Donc si vous restez que dans votre téléphone, vous mettez des tracteurs, vous parlez ce que vous parlez là, que personne ne me touche. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Et celui qui va extrapoler, que c'est en live comme ça, peut-être qu'il me touche comme ça. Voilà. La faute, ouais, ça va tourner. Que tu sois Goliath, père. Et te montrer que même si tu es un loupa, il va te montrer qu'on a les secrets des loupas. Et te montrer qu'on a les secrets pour déstabiliser, pour descendre les loupas. Oui. Et te dis que la vérité, il ne veut pas savoir qui vous êtes ou pas. Il ne peut pas, mais si c'est quoi au téléphone, si c'est quoi au téléphone, il n'y a pas de problème. Ou c'est Annie? Annie, s'il te plaît, si tu as du boulot pour moi, tu me donnes, non? Ou c'est Annie? Maman Annie, hein? Tous les femmes sont mes mamans, hein? Maman Annie, si tu as du boulot pour moi, tu me donnes, non? Ça va m'aider, même si c'était oui, si je vais laver. Ben, combi, assez, hein? Je ne vais pas te parler mal, hein? C'est Steph, je ne veux pas te parler mal, s'il te plaît. Je ne veux pas te parler mal. Je te demande juste pardon, frère. Je ne veux pas te parler mal, s'il te plaît. Je suis passé à autre chose. Je suis tenté de faire mon live. Je ne veux pas te parler mal, s'il te plaît. Ou bien je ne veux pas te bloquer, s'il te plaît. Je te demande juste pardon. Je ne suis plus dans ce côté. Je suis quitté, je suis maintenant dans mon monde. Je ne suis plus dans ce côté. Je ne suis pas tenté de parler de quelqu'un. Je parle de ma vie, de mon. Je fais mon live. S'il te plaît, je te demande juste pardon. S'il te plaît, je te demande juste pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Adibé Ruda Sauveur. Je te supplie seulement. Je ne vais pas te parler mal. S'il te plaît. Oui, parce que moi, je sais que c'est les femmes qui restent dans les téléphones pour parler mal de quelqu'un, pour insulter. C'est les femmes. Moi, je suis le genre de personne que j'aime parler en live, face to face. J'aime parler en live. Le genre, quand la tension, ta tension monte, voilà, tu réagis comme tu peux réagir. Voilà. Par exemple, je sais que c'est les bordels qui restent derrière les téléphones pour parler, les injures envoyées à quelqu'un. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Ouais, moi, je ne connais. J'aime le face to face. Face to face. Je n'aime pas ça. Avec, s'il te plaît. Voilà, avec combi, je te demande juste pardon. T'en supplie seulement, pardon. Pardon. Pour te comporter, respecte-toi. 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 Je ne suis pas un bordel ou bien le genre là. Ou bien une femme que je vais commencer à répondre aux commentaires. Non. Moi, je ne connais pas moi insulter les gens par les commentaires. Non, j'aime parler en face de la personne. Donc si ça l'énerve trop, il réagit une fois. Oui, là je confirme que oui, c'est garçon. Pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais ma vraie nature à faire surface, non, père. J'ai besoin de faire semblant, père. Quand vous parlez de semblant, semblant sur quoi? Semblant sur quoi? Restez toujours là. Quand vous faites voir ce que vous voulez voir. C'est ma vraie nature. Et ce que j'ai d'abord vu, c'est ma vraie nature. C'est ma vraie nature. Tu n'as même pas encore vu la vraie nature de l'homme. Ça, ce n'est même rien. Tu n'as même pas encore vu la vraie nature de l'homme. Tu n'as même pas encore vu la vraie nature de l'homme. Quand le démon là sort dans l'homme, alors quand ça a cuit vraiment en vrai, qu'il faut vraiment que ça arrive, c'est là où alors la vraie personne, la vraie nature sort, alors que tu respectes. Ce n'est même pas bien sorti. Est-ce que j'ai besoin de faire plaisir à quelqu'un? Je suis une bordel pour te faire plaisir. Je suis ta femme ou bien ton gars pour te faire plaisir, pour te montrer ce que tu veux voir. Je te montre que la vraie nature de l'homme, c'est la vraie nature de l'homme ici là.
C'est la vraie nature de l'homme que tu vois là. Et ce n'est même pas encore bien sorti. Parce que quand il y a vraiment tant, tant, là où alors la vraie nature de l'homme sort alors. Vrai, vrai, en vrai. Parlez quoi? Parlez quoi? Parce qu'il y a les gens qui marchent là, qui paient, ils sont prêts à toute heure. Ils sont prêts à toute heure. Donc, comme ils marchent là, à toute heure, il est prêt. Il est prêt. Tu fais quoi? Et si là, ma vie me dépasse, je vais parler de quelqu'un. Pourtant, ma vie, ma propre vie me dépasse. Ma propre vie me dépasse. Et si ma propre vie me dépasse, je vais parler de quelqu'un. Vous avez vu, depuis que j'ai allumé mon téléphone, si j'ai parlé de quelqu'un. J'ai parlé de quelqu'un. J'ai parlé de quelqu'un. J'ai parlé de quelqu'un. Non. Passez à autre chose, père. Tournez la page, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Respectez-vous. Respectez-vous. Quand vous dites que vous êtes des personnalités instruites, tout ça, et quand je vois vos réactions, vos commentaires, père, ça veut dire que vraiment, vous n'êtes même pas différent de moi, alors. Oui, parce que bête à celui qui monte sa vraie incarnation, que celui qui reste dans l'obscurité. Il reste dans l'obscurité pour se faire passer ce qui n'est pas. Si vous êtes vraiment différent que moi, respectez-vous dans vos propos. Respectez-vous. J'essaie de me retenir pour ne pas manquer le respect à qui que ce soit. Je me retiens pour ne pas manquer du respect à qui que ce soit. S'il vous plaît. Steve, you are. Mais mon frère, c'est le dimanche, non, père? Le dimanche que je sors de l'église, mère de mon frère, j'ai prié pour tout le monde. J'ai prié pour tout le monde. Steve, tu sais, moi quand je marche, je suis en paix. Je ne regarde pas derrière mon épaule, je suis tranquille parce que je ne dois rien à personne. Je ne fais rien du mal à quelqu'un. Je ne fais rien du mal à quelqu'un, donc je marche, je suis tranquille, je suis à l'aise. Oui, je ne mange pas ce qui ne m'appartient pas, père. Je ne mange pas ce qui ne m'appartient pas. Jamais. Je vois que l'angard de Agnès là. D'engarder Agnès, je vois que tu as trop exagéré. Ouais, tu as trop exagéré. Trop exagéré, vraiment. Je te jure. Tu as trop exagéré. Trop. Donc après mon direct là, sache que tu ne feras plus partie, plus jamais. Oui. Tu ne verras plus jamais le direct de ce délinquant, de ce voyou. Toi, l'engarder Agnès, c'est Agnès Bifo, c'est. Annie là, sache qu'à partir d'aujourd'hui, donc tu ne verras plus jamais les vidéos du déchet. Je t'en suis. Dès qu'elle est finie là, je te bloque. Je te bloque. Non, ça va. Ça va, maman, ma belle. Ça va. Tu sais, dans la vie, les problèmes ne manquent jamais. Je tiens le coup. Tant que je suis debout, je respire encore. Que mon dos n'a pas encore touché le tapis, ça veut dire que j'ai encore la chance de gagner le combat. Tant que je suis encore debout, je suis encore debout, que mon dos n'a pas touché le tapis, ça veut dire que j'ai la chance de gagner le combat. Je suis encore là. Pourquoi me plaindre? On se bat tous les jours. Ça va aller. Ça va aller, maman ma belle. Ça va aller. Merci beaucoup. Non, je suis trop calme. Je suis trop calme. C'est comme ça que je suis. Hein? C'est comme ça que je suis. Moi, je suis quelqu'un. Je suis un enfant que je ne sais pas. J'ai un sang qui est trop. Je ne sais pas. J'ai un sang qui est trop.
suis quelqu'un que ma tension, on ne sait pas. Oui, un sang qui est trop. Ouais, j'apprends, il me faut apprendre à avoir la maîtrise. Oui, parce que moi, quand ça cuit sur moi, non, que ça a cuit, comment c'est qu'il a réagi sans réfléchir? Ouais, réagit seulement une fois. Non, ça va aller. Ah, Eman. Eman, d'accord, il ne manquerait pas, il n'y a pas de souci. Je vais le saluer, un petit enfant de 12 ans à commun. Écoute, grand-mère, même si c'est 10, hein, et ne cherche pas que, même si c'est 10, même si c'est 10 personnes, et que les 10 personnes-là, on parvient à papouter, rigoler, s'amuser, se dire la vérité, être respectueux, ça me suffit, c'est ce que je veux. J'ai dit, toi là, attends, c'est Annie, non? Attends, tu vas voir, non? On t'a demandé de changer cette étude. Attends, tu vas voir, non? Dès que mon direct finit, attends, tu verras. Dès que mon direct finit, toi, te bloques de ma page. Toi. Dès que mon direct finit, toi, Annie, je te bloque. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir dès que mon direct finit. Attends, tu vas voir. Mon chemin a marché. Hein. Tu ne connais pas que la vie, c'est le carreau, père. Écoute. En tout cas, il ne veut même plus venir dans les sujets là. Et parce que tu ne connais pas l'homme. Oui, tu ne connais pas l'homme. Oui, tu ne connais pas l'homme. Il y a beaucoup là qu'on se connaît. Qu'on s'est déjà vu en face. On a eu à causer sa soie en face. Il y a beaucoup. Ils connaissent que c'est garçon, que ce n'est pas femmelette qui est assis. Oui, que ce n'est pas femmelette. Non, je n'ai pas besoin de répondre à quelqu'un. Si je réponds à quelqu'un, c'est comme si... Je n'ai pas besoin de répondre à qui que ce soit bien. Oui, j'essaie un peu de garder les signes de politesse. Ouais. Et j'essaie un peu de garder les signes de politesse. Ouais. On dit dans la vie, on apprend chaque jour. Ouais. Essaye un peu d'apprendre à être poli, tout ça. Mais si quelqu'un ne veut pas que tu le respectes, hein, tu ne dois pas le respecter. Mais celui qui ne veut pas que je le respecte, je ne veux pas le respecter. Je ne veux pas me mettre peut-être à répondre à certains messages-là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu caches tes... Ça va aller.
Ça va aller, c'est Dieu seul la force. C'est Dieu seul la force. C'est Dieu seul la force. Dieu seul la force. C'est Dieu seul la force. C'est Dieu. Personne ne détient ma vie entre les mêmes. Personne ne détient ma vie entre ses mains. Je mange les caca. Je mange pas les caca, père. Je mange pas les caca. La vie, c'est elle, le chômage. Mais est-ce que tu mens? Tu ne mens pas. Mais quand on dit chômage, chômage dans le bon sens. Chômage dans le bon sens. Que d'aller manger quelque chose que demain tu vas assumer les conséquences, le retour va te dépasser. Non. Non, 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 non. Quand on dit chômage, chômage dans le bon sens, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. J'habite au cimetière. Au cimetière, là où je vis, avec mes frères, mes soeurs. Là où je vis. Tu connais Dieu que moi. Tu peux aimer Dieu que moi, bien tu peux craindre de Dieu que moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas craindre de Dieu que moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas craindre de Dieu que moi. Laissons ce qu'on raconte. Tu ne peux pas craindre de Dieu que moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas croire Dieu, tu ne peux pas servir Dieu, bien aimer Dieu que moi. Tu peux aimer Dieu que moi. Tu peux aimer Dieu. Tu peux aimer Dieu. Tu peux. Ce n'est pas que. Il ne faut pas connaître toute la Bible, non. Il ne faut pas connaître toute la Bible, bien. Tu peux craindre de Dieu que moi. C'est lui qui me garde. Comme tu vois là. C'est lui qui me garde. Si ce n'était pas lui, ah. C'est que l'homme n'est pas là. C'est lui qui me garde. Tu y as, non? Voilà. Tu y as, non? C'est lui qui me garde. C'est lui qui me garde. C'est pour ça que même c'est comment, le dimanche, je fais toujours l'effort d'aller. Même si c'est quelques heures à l'église pour le remercier. Après rentrer. Après rentrer. C'est lui qui me garde. C'est Dieu là qui me garde. Malade, vous connaissez les enfants qu'il y a ici dehors, vous connaissez ce que les enfants qui sont ici dehors vivent, les malades. On a dit low sense d'assaut. On dit low sense d'assaut. Tu connais ce qu'on vit ici dehors. Tu connais ce qu'on vit. Tu connais ce qu'on affronte ici au front, en live tous les jours. C'est que tu ne parles pas des pépettes que tu as écrit en message là. Tu connais ce qu'on affronte, tu connais ce qu'on voit en face de nous, ce qu'on. Merde. Parle ça à qui, père. Parle ça à qui, père. Parlez ça à qui? Parlez ça à qui, père? Parlez ça à moi. Tu es fou dans ta tête, père. Tu dis ça à qui? Connais celui qui est là au front, c'est qu'on chaud. Toi, c'est qui si tu restes que devant ton téléphone pour écrire les conneries? Ça retire quoi sur moi? Ça ne retire rien. Ça ne... Père, si tu es trop fâché, celui qui est trop fâché, qui a droit là, il a mon nom, il a donné mon numéro, il appelle. Il donne seulement la parole. Je dis que viens, je suis là. Là, il vide son sac. Il me dit ce qu'il a à me dire. Oui. Parlez ça à qui, père? Dis ça à qui? Parlez à quelqu'un qui choque tous les jours, qui est prêt, qui risque sa vie tous les jours, qui soit. Tous les jours. Tu connais le monde là où on est? Tu connais ce qu'on vit? Tu connais les pots cassés qu'on paye tous les jours ici là-dedans? Les pots cassés que tu ne connais même rien ce qui se passe. Mais tu perds les pots cassés. Parlez même ça à qui perd. Reste peut-être dans ta longue là. Oui, reste là-bas. Ne regarde pas ce qu'on fait. Dehors, tu commences à raconter des conneries. Tu ne connais pas ce qui se passe ici, père. Si tu vois quelqu'un qui est peut-être dans sa vie, tenter de faire ce qu'il a à faire, si tu n'as rien à le dire, rien, ou tu passes à autre chose, oui, ou tu passes à autre chose, ou tu le regardes seulement, tu fermes ta bouche. Puis de ça, il a dit que celui qui ne veut pas, je ne supplie pas, celui qui ne veut pas, il dégage.
Il dégage. Il a dit, celui qui ne veut pas... Tu as ton téléphone, tu es libre, non? Celui qui ne veut pas, dégage. Dégage. J'ai appelé quelqu'un ici. Et si j'ai appelé quelqu'un, celui qui ne veut pas, dégage. Si vous ne voulez plus qu'il fasse des lives, celui qui ne... Il dégage de mon live, il dégage. Il dégage. Oui. C'est la même raison pour laquelle je ne bloque personne. Parce que celui qui est fâché, dégage. C'est vous-même qui venez vous abonner. Celui qui ne veut pas, dégage. Oui, dégage. Celui qui ne veut pas, dégage. Tu as ton téléphone, non? Tu es libre de faire ce que tu veux, non? Tu es libre de faire ce que tu veux de ton téléphone. Tu es libre. Je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé. Tu dégages du non-sens. Quand tu en as pour ma direct, tu commences à raconter les pépettes. Tu dégages. Tu dégages, père. Tu es malade. Au moins, j'ai le souffle. Hein. J'ai mon arachide que j'ai payé de 300. Donc, au moins, j'ai mon souffle. Donc, comme elle est finie là, je vais prendre ma récupération. Tu dégages. Parle ça à qui? Tu parles à quelqu'un qui choque la vie tous les jours. Tu parles ça à qui? Bien seul ou celui qui dit va travailler. Tu peux travailler que moi. Tu peux travailler que moi. Tu peux choquer que moi. Tu peux choquer que moi. Ou tu peux chercher la langue que moi. Tu es malade dans ta tête, c'est moi. Ou qu'est-ce qui vous prend même? Qu'est-ce qui vous prend même? Je suis ingrat, je suis, c'est vrai que je suis ingrat, je suis ingrat. Simon, c'est Simon, où c'est Simon Beckett? Père, si tu as me dit, hein, vide ton sac, frérot. Si tu as me dit vide ton sac, si tu as me dit vide ton sac, mon frère. Courage, mon petit. Moi, je te suis depuis tu très. Merci à vous. Bien, c'est Simon. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi, mon frère. Ne reste pas devant ton téléphone, père. Tu racontes. J'ai dit qu'un vrai homme, qui se sent homme, ne reste pas derrière son téléphone. Il écrit les messages pour insulter un homme. Un vrai homme ne fait pas ça. Ça, c'est le travail des femmes. C'est le travail des femmes. C'est les femmes qui peuvent faire ça. Oui, on comprend. Un vrai homme ne reste pas derrière son téléphone. Il écrit les trucs pour insulter. Non. Un vrai homme ne fait pas ça. Un vrai homme ne fait pas ça. Un vrai homme, un vrai nouchi, ne fait pas ça. Ne fait pas ça, père. Un vrai homme ne fait pas ça. Un vrai homme ne fait pas ça. Un vrai homme ne se place pas devant son téléphone pour raconter les conneries, pour écrire. Père, si tu veux me parler, si tu veux m'insulter, ou bien tu as quelque chose à me dire, dis-moi seulement que Noël, toi là, tu es où? Donne-moi ta position, je viens te trouver. J'ai quelque chose à te dire. Je te donne ma position, tu viens me trouver. Tu vides ton sac, tu me dis ça en live. Voilà ce qu'on appelle un vrai homme. Et si tu n'es pas dans la ville, bien dans le pays, si tu n'as rien à dire, reste tranquille. C'est les femmes qui restent écrire les commentaires pour dire du n'importe quoi. Merci beaucoup. Ah, on est au-dessus de ça, que c'est quoi? Que vous? On est dans la rue tous les jours pour on encaisse les massacres. Les gens viennent avec les cancans poinçons. Moi, on les montre que les mamans, même s'ils sont 10, ils viennent avec ça. Eux confirment que ces garçons, on encaisse ça, mais on les fait courir. On les fait courir. Lui, c'est qui? Lui, c'est qui, dis donc? Lui, c'est qui? Lui, c'est qui? On a traversé le niveau là. On a traversé le niveau là. Moi, j'aime parler à un homme quand il est en face de moi. Lui, quand je le regarde face sur face comme ça, je lui dis ce que j'ai à le dire. Oui, j'aime le genre là.
reste pas derrière mon C pour écrire. Ah, c'est les femmelettes qui font ça. C'est les femmelettes qui font ça. C'est les femmelettes qui font ça. Tu fais quoi? Tu es un vrai nouchi. Ne reste pas derrière ton téléphone, tu écris les conneries. Il a commencé même à parler. Hein. C'est que peut-être même tu vas fuir de ce direct. Mais je ne suis pas un bordel. Je ne suis pas un bordel ou bien une coyote que je vais commencer à te répondre. Je ne suis pas un bordel. Donc tout juste ce que je voulais dire, c'était juste pour dire à mes frères, mes soeurs, père, ta vie est entre tes mains. Oui, c'est toi seul qui connais ce qui est bon pour toi, qui détient ta vie entre tes mains. Oui, qui connaît ce qui est bon pour toi. Moi, même si je suis comment, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai de mon mauvais côté, mais tous les jours, même si c'est comment le dimanche, je ne manque pas d'aller à l'église. Dis au moins un merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour le souffle de vie. Donc, si j'ai fait ce petit direct, c'était pour vous souhaiter bon dimanche. Bon dimanche à tous, dans la paix du Christ. Bon dimanche. Donc, bon dimanche à vous. Ma position actuelle, je suis à Paris Dancy. Je suis à Paris Dancy maintenant là. À Paris Dancy. Prends la moto, dis que ça te laisse à quoi? À Paris Dancy. À Paris Dancy. Attends, je fume là. Tu vois un peu là où je suis. Tu as vu? Si tu aimes, il y a Paris Dancy. Paris Dancy, tu vas me voir. Je suis en route. Je suis au bouton. Prends seulement quand tu laisses à Paris danser. À Paris danser, à quoi? Je suis là. Laissez vos trucs que vous aimez parler, envoyez les messages pour faire plaisir aux gens. Laissez ça. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas, père. Oui. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Nous, on n'est pas là ou ici, là. Nous, on n'est pas ici parce que nous, on a voulu être. On n'est pas fiers d'être, mais on est obligé de faire avec. C'est le système qui nous est poussé. Moi, il ne comprend rien. Ouais, ma mère. Voilà, ça a l'entrée ici dedans. Il ne comprend rien. Voilà, ça a l'entrée ici dedans. On est ensemble. Il ne comprend rien. On est ensemble. Portez-vous bien. Portez-vous
bien.